Non, 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 je suis désolée, moi, ce soir, je ne sors pas avec vous, les meufs. Non, non, mais vous êtes mes bonnes copines, tout ça, hein, je vous kiffe et tout, hein. Non, en fait, ce soir, j'ai un date. J'ai rencontré quelqu'un sur un site de rencontre et on va aller boire un verre ensemble. Bah, ça fait quand même plusieurs semaines que je parle avec lui, et puis bon, c'est juste aller boire un verre, donc... Voilà, dans tous les cas, je te tiens au courant dès que je suis avec lui pour te dire si il est normal ou pas et s'il ressemble à sa photo. Parce que moi, je te le dis tout de suite, hein, s'il ressemble pas à sa photo, je me casse direct, hein, tu me connais, moi, y a pas de ça avec moi. Mais voilà, si c'est l'arnaqueur de Tinder, je me barre aussi. Non, parce que sur les photos, il est vraiment très très beau, donc je me dis des fois que ça peut être une arnaque, ça se fait, c'est pas du tout lui, ça m'est déjà arrivé la dernière fois, tu sais, je suis arrivée. Et c'était pas du tout la même personne sur la photo que dans la réalité. Oh là là, non mais laisse tomber. Bon vas-y, je te laisse, il faut que je me prépare, faut que je fasse ma manicure et tout, ma pédicure. Non, je vais pas lui montrer mes pieds, donc juste ma manicure au moins et m'habiller tout ça. Vas-y, ciao ciao, et bah amusez-vous bien les filles. Je pense que comme ça, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Allez, je file à mon rendez-vous. Oh, de toute façon, faut savoir se faire attendre. Alors, ce premier rendez-vous, ça te plaît bien? Franchement, ouais, déjà j'avais peur que tu sois pas le même que sur la photo, ça me semblait être un peu trop beau pour être vrai, mais en vrai, t'es vraiment un BG. Ah super, j'apprécie, merci beaucoup. Tu es vraiment très jolie également, hein, comme je te l'ai déjà dit au début de notre rendez-vous. En tout cas, je te remercie pour le verre également, hein, t'es vraiment un gentleman en plus, je m'attendais aussi à ce soit un mec qui vienne, et soit c'est moi qui paye, soit qui me dise à la fin, ouais, on fait moite-moite. Non, 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 c'est vraiment pas mon genre. Ok, bon ben il commence à se faire tard, donc si ça te dérange pas, je vais rentrer chez moi. Est-ce que tu veux que je te dépose peut-être? Oh non 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 non, c'est très gentil de ta part, mais ne t'inquiète pas, je vais prendre le bus en plus, c'est juste en face. T'es sûr? Parce que dans tous les cas, c'est sur mon chemin, donc si tu veux, je te dépose, il n'y a pas de problème. Encore une fois, c'est très gentil de ta part, mais j'ai un principe, c'est jamais monter dans la voiture le premier soir, donc si ça te dérange pas, je vais quand même prendre le bus. Ok, je comprends, il n'y a pas de problème, mais est-ce que tu veux qu'on se revoie au moins? Ah oui, bien sûr. Bah justement, comme ça, on pourrait faire encore plus connaissance. Ok, ben écoute, on se tient au courant et tu me dis quand tu veux sortir et je t'invite à un autre petit resto peut-être ou un cinéma, comme tu veux. Ok, ça marche. Ben rentre bien chez toi, envoie-moi un message quand t'es bien arrivé. Ah non, 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 ça c'est moi normalement qui devrais le dire, hein. C'est moi qui devrais plutôt te demander de m'envoyer un message à moi. Moi je vais prendre la voiture, donc j'ai pas de problème. Toi, tu vas prendre le bus et je m'inquiète un peu, surtout qu'il est tard et tu vas sûrement prendre le dernier bus qui passe à Brookhaven. On sait jamais sur qui tu peux tomber dans le bus. Donc c'est à toi de m'envoyer un message. En plus, je vais sûrement arriver chez moi avant toi. Ok, ça marche. Bah écoute, je te fais la bise et puis on se reparle, on se recapte. Bise. Sachez les meufs, enfin, je sais que vous êtes en préparation de sortie pour aller en boîte et tout, mais fallait que je vous dise, bah moi ça s'est super bien passé avec mon date, il ressemblait bah, à la photo, c'était bien lui. Ouais, non mais je te jure, si si si. Ah si si si, je te jure que si, la photo que je t'ai envoyée tout à l'heure, c'était bien lui au date. Et ça s'est super bien passé, c'est un gentleman, c'est lui qui a payé les verres. Il n'a pas insisté pour me ramener quand je lui ai dit que je voulais pas qu'il me ramène. Et en plus de ça, il me demande des nouvelles si tout va bien et tout. Donc non, franchement, c'est cool. Je pensais tomber sur un gros scam, mais pas du tout. Non, ce soir, non, ça sert à rien de venir me chercher. Là, j'ai déjà bu un verre et tout. Je suis fatiguée. En plus, demain, j'ai une grosse journée. Mais vous inquiétez pas, les meufs, allez vous amuser en boîte. Et ben, passez une bonne soirée. Oui, t'inquiète, je t'envoie un message quand je suis arrivée à la maison. Non, mais vous allez pas tous me demander ça quand même. Allez, bonne soirée à vous les meufs, amusez-vous bien.
Ah bah tiens, en plus il y a mon bus qui arrive, c'est parfait. Allez, faut pousser les fleurs, parce que là, si ma mère, elle vient cet été me rendre visite et elle voit que la moitié de mes pétunias sont mortes, elle va me fouetter. Et j'ai pas envie. Je vais me faire engueuler. Poussez, s'il vous plaît. Prenez l'eau de vie. Survivez. Respirez. Ça va aller. Non, ça va pas du tout aller. Elles sont toutes en train de crever. Ah, ah bah c'est qui m'appelle? Eh, salut Josh. Ouais, non, ok. Ok, vas-y pour un cinéma ce soir. En plus, j'avais rien de prévu. Ok, super. Tu viens me chercher? Ouais, je vois. Ok, ça me va, ça me va. Bah, ça fait une semaine qu'on se parle, donc je pense que c'est bon. Voilà. Allez, tu pourras venir vers 21h. Je crois que la séance, elle est à 21h30. Donc, on aura large le temps d'aller chercher les pop-corn et tout. Ouais. Ah bah, super. Bah, écoute. Ouais, non, tranquille. Cet après-midi, qu'est-ce que je fais? Oh, tu sais, il y a du soleil, donc j'étais en train de bronzer dans mon jardin. Ouais. Ah, ça se passe bien au boulot? Super. Bah, écoute, à plus tard. Bisous. Ah là là, ce date du week-end dernier, là, franchement, je pense que je vais finir par me caser, hein. Eh, mes copines elles vont plus me revoir, je vais avoir des enfants et tout, il serait temps à mon âge. Bon, j'ai le temps encore un petit peu de bronzer avant qu'il ramène ses fesses me chercher. Oh, pourquoi pas faire un tour dans le jacuzzi, tiens. Apparemment, le film qu'on va aller voir, c'est une dinguerie. J'ai regardé un petit peu la critique et il est ultra bien noté. T'as vraiment de bon goût quand même. Ouais, je sais, ouais. C'est pas étonnant, moi, mon père et moi, on regardait beaucoup les films ensemble à l'époque. Donc tout ce qui est film d'action et tout, moi je suis à fond dedans, j'adore. Tant mieux, car j'avais peur hein, que tu me demandes d'aller regarder le film romantique, là, un peu le Titanic, le remake. Franchement, c'est pas mon délire du tout, mais maintenant que tu me dis que t'aimes bien les films d'action, et ben tant mieux. Après, tu sais, on n'a pas besoin d'avoir vraiment les mêmes coups pour tout, hein. Je suis sûre qu'on peut trouver des désaccords sur certains points. Ouais, enfin, si on peut éviter de les chercher trop vite, hein, qu'on passe de bons moments ensemble. Ouais, tout à fait, voilà, tu as totalement raison. Mais attends, par où tu passes, c'est pas le bon chemin, là. Ah ouais, si, t'inquiète, c'est un raccourci. Non, là, tu me mets un peu mal à l'aise, retourne sur la route, s'il te plaît. Mais t'inquiète, ça va bien se passer, je connais ce chemin, je l'ai fait 1000 fois. Non, c'est bon, c'est bon, arrête-toi. Arrête-toi ou je saute de la voiture. T'es sérieuse? T'es complètement tarée? T'as vraiment sauté de la voiture? Oui, je t'ai demandé de t'arrêter, t'as pas voulu t'arrêter. Je t'ai dit, retourne sur la route, je ne connais pas le chemin que tu utilises, que tu empruntes, et c'est certainement pas un raccourci, parce que je connais assez bien le centre-ville de Brookhaven pour savoir que le chemin le plus rapide pour aller au cinéma, c'est par le centre-ville. Mais t'es une psychopathe, ma parole! Ça va pas bien dans ta tête? Si, ça va très bien, et d'ailleurs, je vais rentrer chez moi à pied, ou je vais appeler un taxi. Non mais c'est bon, vas-y, rentre dans la voiture, je retourne sur la route, d'accord? Allez, viens. Non, t'approches pas de moi, j'ai un taser, je sais m'en servir, et j'ai pris des cours de self-défense, ne t'approche pas de moi, je ne te fais absolument pas confiance, t'es trop chelou mec, maintenant rentre dans ta voiture, et tu me laisses tranquille, de toute façon, je viens d'appeler un Uber. Mais c'est quoi ce délire? Tu fais vraiment des manières, t'es trop bizarre, de toute façon, je veux plus jamais te revoir. Vas-y, ciao. Oh, ouf, il y a vraiment cru. Heureusement que j'avais ce jouet de mon petit frère dans mon sac. Parce que franchement, là, je sais pas ce que j'aurais fait. Je suis sûre, je sais pas, il est trop bizarre ce mec. Je vais attendre mon Uber. Vous dites que vous l'avez rencontré sur un site de rencontre, c'est bien ça? Oui, c'est exact. D'ailleurs, je regrette énormément. Ça faisait quand même une bonne semaine que j'étais en train de discuter avec lui, qu'on s'était vu plusieurs fois, que tout s'était toujours très bien passé jusqu'au moment où je décide d'accepter de monter dans sa voiture. Sauf qu'au bout d'une semaine, enfin, je veux dire, on est adulte. À un moment donné, je pensais que j'aurais ressenti s'il y avait quelque chose de chelou avec cet homme. Vous savez, de nos jours, faut faire ultra attention. Et puis des fois, ça vient même de personnes qu'on connaît très bien depuis longtemps. Vous savez, faut faire attention à tout. Oui, enfin, à un moment, si on fait tellement attention à tout qu'on peut même plus faire confiance à nos proches, on arrête de vivre.
Écoutez, madame, à ce que je vois dans notre base de données, puisque nous sommes en relation avec ce site de rencontre, justement pour éviter ce genre de personnage, malheureusement, il a effacé son profil et il n'a laissé aucune trace derrière lui. Alors, ça va être un petit peu compliqué pour la suite de l'enquête, donc je veux bien prendre votre plainte. Mais pour être honnête, je ne pense pas que ça aboutira. Et si je vous disais que j'ai pris sa plaque d'immatriculation en photo, parce que justement, voilà, je suis quelqu'un qui fait quand même assez attention et j'ai envoyé à mes copines cette photo au cas où il m'arrivait quelque chose. Est-ce que ça peut vous aider peut-être ? Alors là, oui, vous avez vraiment très bien fait, ça va vraiment nous aider. Donnez-moi sa plaque d'immatriculation, je vais regarder tout de suite dans notre base de données. 1, 5... L, L, A, B, E, S, T. Ah, ça y est, j'ai trouvé quelqu'un. Est-ce que vous pouvez venir de mon côté, comme ça vous regardez la photo ? Oui, bien sûr, j'arrive. Ah oui, c'est bien lui, effectivement, je confirme 100%, c'est lui. Mais attendez, est-ce que ce que je vois en dessous de sa photo, c'est son casier judiciaire ? Tout à fait, madame. Aussi long que mon bras. Enfin, quoique mon bras n'est pas assez long. Là, clairement, ce monsieur a vraiment un très beau palmarès. D'ailleurs, il est recherché actuellement. Et il n'a pas de domicile fixe. Il n'arrive pas... Enfin, on n'arrive pas à l'attraper. Ah oui, oui, d'accord. Je vois. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour vous aider ? Le mieux, c'est que votre plainte soit quand même déposée. Ainsi, nous pourrons l'ajouter au dossier déjà en cours. Mais par contre, malheureusement, on pourra continuer la procédure judiciaire uniquement quand on l'aura attrapé. Non, mais il va pas s'en sortir comme ça, dites-moi. Vous savez, madame, ce genre de type est assez arrogant. Hein. Tôt ou tard, il se fera attraper. Ne vous inquiétez pas, ça arrive tout le temps. Ok, bon, bah, au moins, j'aurais donné l'alerte. Bon, eh bien, écoutez, madame, permettez-moi de vous ramener chez vous. Non, ça ira. Je pense que je vais rentrer à pied, hein. J'en ai eu assez, hein, des... des inconnus auxquels j'ai monté dans la voiture, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, enfin, vous pouvez quand même faire confiance à un policier, tout de même. Et puis, de toute manière, il y a une caméra dans la voiture. Dans toutes les voitures de police. C'est très gentil de votre part, mais j'insiste, hein. Maintenant, c'est fini. Je ne rentre nulle part, sauf dans les bus. Passez une bonne soirée, ne vous inquiétez pas. Merci encore pour tout, pour votre aide. Pas de soucis, eh bien écoutez, on vous rappellera quand on aura des nouvelles. D'accord. Flora, c'est bien toi ? Tiens. Oui, c'est bien moi. Attends, maintenant que je t'entends parler, ta voix me dit étrangement quelque chose. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré ? Oui, on s'est déjà rencontré, hein, parce que j'étais déjà sur le site de rencontre, sauf que je n'avais pas la même identité. Ah ouais, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Ça veut dire qu'actuellement, je porte une perruque et je suis l'une de ces filles, tu sais, que t'as voulu emmener en voiture et qui est descendue de ta voiture. Ah, c'est bon, ouais, je vois. Ouais, je sais pas qu'est-ce que t'as essayé de faire, là, mais c'est bon, je me casse. Mais tu penses aller où comme ça ? Tu sais que j'ai fait ce profil et ça faisait 3 mois que j'attendais de retomber sur toi pour enfin te faire attraper toutes ces choses que tu as fait à ces filles, hein ? Le policier m'a expliqué comme quoi tu les emmenais, tu prenais des photos compromettantes, après tu faisais du chantage pour leur extorquer de l'argent. Heureusement, tu n'as pas réussi à me le faire parce que je suis sortie de la voiture avant. Mais lorsque j'ai su ça, je n'ai pas pu fermer les yeux sur tout ce que tu as pu faire à ces filles. Et j'ai décidé de te traquer jusqu'à ce que je retombe sur toi. Non mais c'est bon, me raconte pas ta vie, je m'en fiche complètement. De toute façon, je vais me casser, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu penses que tu vas pouvoir m'arrêter avec ton petit gabarit ? Moi non, mais lui, oui.